Hey, et bien salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le niveau 4 du jeu Lego Ninjago Nindroid. Donc, c'est encore un niveau que j'avais déjà fait. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ensuite, les autres, je les aurais pas encore fait. Donc, aujourd'hui, je vous fais le niveau 4 sur PS Vita. Donc, il faut le multi-défi et le tireur d'élite. Atteignez une précision de 70%. Et multi-défi. Vous avez subi moins de 10 cœurs de dégâts. Il faut détruire 4 ascenseurs. Et atteindre une précision de 50% dans le niveau. Alors ça, je sais pas comment on fait pour les précisions. On va dire un ascenseur sur 4. Deux ascenseurs sur 4. Donc en plus là il tire des roquettes. Enfin c'est des simples missiles je pense. Donc là je crois que nous sommes à 3 ascenseurs sur 4. Donc là il y en a un peu beaucoup. Ah d'accord, donc là il y a le canon qui m'a tiré dessus. Je vois pas d'autres ascenseurs. Pour la précision, je sais pas du tout comment faut faire pour avoir la précision qu'on veut. Bah moi du coup je vais tirer comme ça. Après on va voir si j'ai la bonne précision. Voilà, donc là on a eu les 4 ascenseurs. Donc là, franchement, il y a trop de vaisseaux de roquettes. Et mince, voilà. Le multi-défi, bah tant pis, je l'ai pas. On va essayer d'avoir la précision de 70%. Voilà, donc cette fois j'ai eu le lance-missile assez rapidement. Alors, je crois que là c'est bon, je suis en train de maîtriser. Hein. Donc voilà, c'est fini pour ce niveau. Donc bah tant pis, on n'aura rien eu. Je pense que c'est surtout à cause des précisions, hein. Je ne sais pas du tout comment faire. Donc, la machine en colère, c'est pas que j'ai pas vraiment envie de le faire dans cette vidéo, c'est que je préfère faire une vidéo par niveau. Je préfère prendre mon temps, donc tant pis, on fera ça la prochaine fois. Donc du coup là je pense qu'on va aller faire un tour au dojo hein. Il y a juste d'abord quelques robots à détruire. Donc voilà, le dojo. Vers le dojo. Donc, le Darrett, je l'avais déjà fait. Maintenant, du coup, il faut que je fasse le moyen.
Donc là, il y a déjà beaucoup de robots comme la dernière fois. Donc là, il en faut 100. Donc on en est à 3. Donc là, techniquement, que je vous propose, c'est de prendre tout le temps. Ah mince, j'ai pas vu. De prendre tout le temps Zane, car il peut tirer à distance, ça c'est utile. Et à chaque fois, du coup, vous essayez de rester à distance de tous les droïdes. Et du coup, ce que vous faites, c'est que va vous leur tirer dessus chacun leur tour. Comme ça, ils ne deviennent jamais rouges. Enfin, quand ils deviennent rouges, c'est parce qu'ils vont vous attaquer. Voilà, nous sommes à 15 sur 100. Même pas un quart, quoi. Voilà, donc là je prends le spinning sous, ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, ça c'est fait. Ah, donc là il y a des bombes, j'ai déjà fait ça. Donc ce qu'il faut faire quand on a des bombes, c'est bien sûr les éviter, oui. Mais une technique à faire avec, c'est vous vous rapprochez de tous les robots, vous essayez qu'ils vous collent bien. Du coup, lui, là, il va vous lancer la bombe sur vous. Et directement, vous partez d'un coup. Et enfin, je vais vous montrer. Donc là, je reste à côté d'eux. Il lance une bombe. Je m'écarte. Et là, il y en a plusieurs qui explosent. Donc en gros, c'est eux qui se prennent la bombe à la place de moi. Voilà. Parce que du coup, quand il y en a deux, c'est galère. Vaut mieux d'abord en tuer un. Hein. Voilà. Ah, ça c'est sous bouclier, j'aime pas trop celui-là, du coup c'est galère pour les taper. Donc en fait il faut faire le super combo. Et ça marche pas tous les coups. Voilà, ah, j'ai même pas vu, on a déjà fait la moitié, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, il y en a encore. Voilà, sinon il y a la technique la plus facile. Vous vous mettez au milieu d'eux et vous faites que le super combo du saut et le point vers le bas. Donc voilà, celui-là bouclier a été fait assez rapidement. Il ne reste plus que 27. Voilà, donc sinon, ouais, ça c'est une nouvelle technique que je viens d'apprendre. En fait, quand il y a les Mister Bombes, j'espère que je peux vous le remontrer après, voilà. Ce que vous faites, c'est que vous attendez qu'il vous tire dessus. Va y arriver, hein. Je vais. Donc voilà. Donc si vous faites vous l'assommer, il va vous lancer la bombe dessus et voilà. C'est aussi pratique. Mais ceux qui en avaient un, c'était pas très utile. Je pense que là, c'est la dernière brigade, la dernière vague, on dit. Enfin bref, sont les derniers droïdes à vaincre. Avec le robot, bien sûr. Faut surtout pas oublier le robot, hein. Le robot qui est très grand, et très grand, et très grand.
Donc on peut aussi du coup lui faire lui tirer à distance. Donc voilà. Ouais, on peut aussi lui tirer dessus à distance. Ah, et bien sûr, l'argent de récompense. Donc ça, c'est où? Le niveau difficile, je pense. On va aller voir. Ouais, c'est le niveau difficile. Donc bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc le niveau 3 est encore du dojo que nous avons fait. Non, c'est le niveau 4, pardon. Je n'ai pas dit niveau 3 tout à l'heure. Tant pis, donc là je fais le niveau 4 du Lego Ninjago Nindroid sur PS Vita. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi me demander des tutoriels de Lego, boîte ou création. Donc bref, voilà, je vous dis salut et à la prochaine.